Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le lundi 13, je crois que c'est ça, oui. Lundi 13, et écoutez, ça fait une semaine de ma chimio, et voilà. J'ai eu des brûlures d'estomac, j'ai pas eu de perte de trop de poids, j'ai 1 kilo. Mais je mange bien, mais ça c'est la chimio, hein, vous savez. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu de mes nouvelles et aussi pour vous montrer que j'ai fini mon poncho. Voilà, alors il n'est pas bloqué, hein, parce qu'il faut le laver, il faut le bloquer pour qu'il prenne son aisance. J'ai fait un col avec des mailles relief avant et arrière. Et voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait des reliefs comme ça. Voilà, ça c'est le devant. Et là, c'est le derrière. Voilà. Alors, moi, j'ai mis comme ça, mais j'ai fait un grand col parce que quand j'ai froid, hop, je monte. Là, je vous ai mis comme ça. Mais on fait comme on veut. On peut faire un petit col, on peut faire un grand col. Moi, j'ai fait un grand col. Pour une petite fille, j'ai fait un petit peu plus petit, mais voilà. Alors, j'ai du mal à parler, mais ça, c'est la chimio qui m'a fait des cloques. Vous voyez, regardez, mon visage, il est tout plein de petites cloques de partout. Voilà, alors, vous ne me regardez pas, j'ai les poils, hein. J'ai le duvet, j'ai tout, parce que, voilà, c'est comme ça. Mais c'était pour vous dire que ça va. J'ai du mal à parler parce que, en plus, je porte une prothèse dentaire. Alors, du coup, ça frotte dedans. Quand tu manges, ça rentre là où il ne faut pas. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. À chaque fois qu'il faut manger quelque chose, il faut aller rincer avec le bicarbonate. Voilà, je pense que je dois avoir des boutons qui descendent au niveau de la gorge parce que, j'ai du mal à avaler, mais j'ai bien mangé à midi. J'ai goûté avec mon mari. J'ai mangé des pancakes avec un café au lait. Voilà. Et puis, c'était juste pour vous montrer que j'avais fini mon poncho. Je suis en train d'attaquer je continue le vert maintenant, étant donné que j'ai fini celui-là. Maintenant, je vais attaquer le vert. Le soir, en regardant la télé avec mon mari. Oh, en ce moment, je suis de bonne heure au lit, hein. 9h30, je suis au lit. Voilà. Et voilà. J'ai des nouvelles de mon IRM. Et vous voyez bien qu'il y a une tache osseuse, mais de 10 mm à la hanche. Et pour lui, en ce moment, on laisse faire la chimio et envisager des rayons. Voilà. Voilà. Mais bon, je me sens confiante. Vous savez qu'il y a 2 ans, j'en ai chié, c'est que de le dire. Et puis voilà. Alors, je voulais faire une petite aparté. J'ai eu un message très déplaisant que j'ai enlevé. La fille, elle me disait qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi j'étalais ma vie sur YouTube, mais moi j'étale pas ma vie. Je dis ma maladie. Mes avancements, mais voilà, après, voilà. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Aussi bien je l'ai répondu, je lui ai envoyé, et après je l'ai bloqué. Mais quand on fait comme ça, je ne sais pas si elle reçoit. Le truc. Alors j'ai fait un screen du message. Et comme il y avait Béatrice Scrap, je sais plus, celle qui fait les albums, qui avait mis une notification, ça m'a enlevé le nom de la fille. Mais ce n'est pas grave. Loin de là, c'est vraiment pas grave. Parce que voilà, aussi bien je l'ai bloqué. Et voilà, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Celles qui ne sont pas contentes, écoutez, avancez. C'était aussi pour vous venir vous remercier. Vous remercier de toute votre gentillesse, des nouvelles abonnées.
J'ai jamais autant grimpé depuis 5 ans. C'est-à-dire le crochet, les petites chenilles du bonheur, la couronne du bonheur, le chat, le poncho, le crochet, ça plaît beaucoup. Moi, quand je pourrais faire un petit tuto, je vous le fais et je vous le mets. Je ne serai peut-être pas en pleine forme, mais je vous ferai pour vous faire plaisir. Excusez-moi. Mais voilà, je vous remercie toutes parce que je suis à 1483, je crois. Alors que je vous fais cette vidéo, il est 17h50. Et voilà, depuis 3 semaines, c'est un dénouement sur ma chaîne, les abonnements. Et merci à vous toutes qui êtes là, qui me soutenez, qui me laissez des gentils messages. Et ça, ça réchauffe le cœur. Il y en a toujours une pour mettre la zizanie, mais ce n'est pas grave. Vous savez, dans la vie, hein, il faut avancer. Sinon, bah, on va en reculant et c'est pas bon. Et moi, mon moral va bien. Voilà, je crochète. Là, j'ai un album à faire avec du carton. Sophie Scrap, elle fait. J'en ai fait 4. Et là, ma fille m'a demandé pour en faire un. Parce qu'elle s'est mise avec un copain et il a un garçon. Et bah voilà, pour ne pas faire de jaloux, elle veut qu'il ouvre son calendrier. Et comme ils viennent le 25 novembre, bah je vais le faire. On est allé aujourd'hui à Cultura chercher du carton. Carton mâché. Carton. Vous savez, le carton blanc complet et ça fait la couverture. Voilà. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'être là, merci de votre gentillesse, de vous lire à chaque moment, ça me fait plaisir. Je réponds souvent par merci beaucoup, en cœur, mais et des bisous. Mais sachez que je voudrais répondre à tout le monde. Parce que, bah voilà, hein, j'essaye de regarder dans les anciennes vidéos si j'ai pas oublié un message. Parce que bah, y en a qui répondent et qui sont pas abonnés. Et alors du coup, je reçois peut-être pas les notifications. Je ne sais pas trop comment ça marche. Alors du coup, bah voilà. En tout cas, merci à vous toutes. Je vous fais des gros bisous. Vous voyez, la grandeur, elle est assez. Hein, parce que ça va se... Excusez-moi, ça va se détendre. Comme c'est en plus de la grosse laine. Hein. Alors voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça tient bien chaud. Mais je vais le garder pour la soirée. Et je le mettrai à laver demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma vidéo. Et merci aux nouvelles abonnées. Aux anciennes qui me suivent depuis 5 ans. Et bah, c'est que du bonheur. On fait comme on peut. Mais moi j'aime bien, ne serait-ce que partager avec vous. De vous lire. De voir vos commentaires et ça réchauffe le cœur de voir les commentaires sur la chaîne et de répondre surtout. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais peut-être vous faire un petit tuto d'ici la fin de la semaine parce qu'après lundi, rebelote chimio. Là j'ai une semaine pour me requinquer un petit peu. Après rebelote chimio. Et après, ça sera le 4 décembre, je crois. Il y a la dernière, le 18. Voilà. On va en faire 4 pour faire le scanner. Et puis, bon, voilà. On verra. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas perdu mes cheveux parce que je commence à avoir sur ma brosse des cheveux. Mais ce n'est pas grave. Hein. Je ne mettrai pas le foulard. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que... Voilà, c'est notre maladie, elle est comme ça, elle est comme ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et merci, merci de votre complicité, de votre gentillesse et surtout, prenez soin de vous. Allez, profitez de la vie. Ciao, ciao, ciao.